Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, guerre Russie-Ukraine, Bande Koranga. Un témoignage d'un Congolais en Ukraine, Togoyo Kabandeko. Et de l'autre côté, guerre Wana Bandeko, Poutine, Auto Solana, président français, Macron, a lobby que Bango Bazako occupé l'Ukraine. Et puis Moutou a contacté. Alors, Ezaya Kouyina, et puis on va parler encore, le pape François attendu le DG en République démocratique du Congo. Alors, tout le développement ensemble. Deuxième point, Bande Konanga, changement de constitution. Mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans. Boyoka Bande Konanga. Et ça somme. Alors, tout le développement en émission, la mission. Et puis, Tokoyoka, président de la Cour constitutionnelle, Bande Konanga a lobby sur. Oyo ba Congolais ba sapuluba. Parce que ba Congolais, ma kambou e belle ba zoye bati. Alors, boko yoka ya kouloba bandeko, président ya cour constitutionnelle, a kouloba ba vérité moko, e kouchouke bin. Alors, tous à la connecté, togo développement ensemble, et puis togo yoka, opposition, oyo déjà ba sa contre, et te fachi, azara na mandat, ya 7 ans, à partir de 2023. Ezaya Kouyinda et Siéindi. Troisième point, Bande Konanga. Officier des États-Unis d'Amérique, bon officier militaire à Kinshasa, Masolona Fachi, sur la sécurité et la défense. Et puis, pour la Makamoupe, le Kana Ukraine, alors Bande Konanga, Bazana Kinshasa, pour la Kosolona Fachi. Donc, Bande Konanga, tous à la connecter pour Bouyoka, Oyoko Bimawana. Et puis on va parler encore à ministre du travail, y a américain, au personne à Kinshasa, bande quoi lobby sur ba jeune au bazo ça na mine. Alors tous à la connecter, tout développement ensemble. Alors chers téléspectateurs, émission na bise bandi et comme étant auto solo ma solo ya ETC. Place bozana baninga ceux qui bozan en ligne, na Facebook, partout na Twitter. Yebisa bango te tan yango eko kipo masolo ya lelo oba loba ka Ezaya Kouyinda esie yindi. Premier point déjà, Montepeli. On va parler de la guerre en Russie et puis l'arrivée de pape en RDC. Alors, guerre Russie-Ukraine est témoignage d'un Congolais en Ukraine. Bandeko, guerre à Ukraine eza moto, moto ezopela. Donc, décision. Ya Poutine, ba solo la ki na Macron lelo. Na za ko yo kana radio, il fallait écouter na register vraiment yango. Ba za ko solo la na président Macron. A ebisi président Macron était bango, ba za ko occuper Ukraine. Pona oyo ba sali na ba indépendant, ba pays indépendant wana Donetsk, non mususu wana. Alors Bango bazo ko occupé Ukraine mobima. Bandeko et ça somo pourquoi? Parce que na sima ya Poutine ba ya ya baza. Bango baza lokola ba mbinzo. Tala bandeko Chine. Chine a lobi biso to zotala. Yebake na vote wana oba Votakiko, na Nations Unies, d'abord Russie a pesé veto, Chine a lui kuna bisoto zate. Donc, bandeko, ba West, na ba Américain, dans l'OTAN, Alliance Atlantique, ba komé na problème. Mais, situation est très dangereuse pour na mokili. Si le bisoto zan Europe, bisonyonso, na bo ba zan partout ne. Donc, situation est à mon boulot. Pourquoi? Parce que Yaya azo akoboto la pena Ukraine. Ndenge makambo ekende. Soko mone zo zo attend. Et ça parce que ba pays occidentaux, surtout ba anglais,
ba pesi bango dernier de bibundili. Alors, bibundela mweza pona ko freiner arrivé na bango na cité de panza pena tank mobimi. Yango moni Poutine a tché ba tank ne nyoso en secret pena Ukraine. Alors, à part côté ya Pologne, côté kuna en secret kuna te pa batwazo kimé. Alors, ndenge ba attaque zo kende bandeko, situation ça pena mobulu. Ndeto lo ba botelu ba po ya Ukraine. Deuxième ville, Kharkiv, et comme na maboko na bango. Donc, destination na bango bazo koma Kiev. Mais, balba ke na ona malin passe ba wuto perdre à peu près 498 militaires na mouba koufi. Na ba tank monsieur Panzan. Alors, ba freiné, ba système ba ok, na on sukweza ya ko sakanati. Ba yaki na ndenga lo yengene bandeli, bango pi ba tu ba perta ko sakanati, alors siko ba chen système. Alors, guerre zo ya tellement makasi, ba Congolais ba bali ko kim. Li solo ton to bete zan de konabiso Congolais. Azana Ukraine, alors ba tu ba mona ki bombe kwe pene pa voisin. Tant ou bombe kwe pa voisin, ya moni ke siko yfa akendi. Akende siko yo, en tout cas yfa bi makaka Ukraine. Destination na ewapi na Pologne. Abandi bandeko babandi ko keneti baba jwa taxi. Ba jwi taxi. E komi na nzele ba moni mwente, ba kiti na taxi embouteillage. J'en suis sûr parce qu'avec embouteillage, compte réseau compte. E ko kute ba moche, ba kiti. Ba bandi makolo. Alors, il y a une fracture dans le col. Donc, si tu as un peu de yoka, tu témoignages de la vie. Bon, on continue la mission. Conséquence de la guerre en Ukraine, un jeune étudiant congolais a passé la nuit à la Belle Étoile pendant 3 jours avant de joindre difficilement la Pologne. Son père affirme à Radio Kapi qu'après des longues marches à pied, il est hospitalisé en Pologne. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, mise en onde de Jean-Claude Ciala. Guerre en Ukraine. Beaucoup de Congolais ont vécu un calvaire pour faire la traversée vers la Pologne voisine. C'est le cas notamment d'un jeune étudiant congolais qui a passé la nuit à la Belle Étoile pendant 3 jours dans une température qui avoisinait 1 degré. Son père affirme à Radio Kapi qu'après des longues marches à pied, ce jeune étudiant est aujourd'hui hospitalisé en Pologne avec une cheville fracturée. Chilmpia Nadjabaji a été joint par Blaise Shindani Kamal. L'enfant était en Ukraine, il y a eu bombardement d'un immeuble de voisins. À ce moment-là, les enfants ont fui. Ils ont pris d'abord les taxis de l'Ukraine vers la frontière, parce qu'ils devaient quand même aller à la frontière pour quand même se sauver, pour aller dans un autre pays. Ils ont pris les taxis de l'Ukraine vers la frontière. Arrivé maintenant, à un moment donné comme ça, dans la route toujours, il y a eu l'embouteillage. Et ils ont quitté le taxi, ils ont commencé à faire les pieds. En faisant les pieds, en courant, tout ça, il a perdu son sac et tout était perdu. Il est arrivé à la frontière, il a fait au moins 3 jours. Arrivé en Pologne maintenant, il y a un Congolais qui est en Pologne là-bas, qui lui avait pris. Comme il boitait déjà, sa jambe était endommagée. Il a pris mon fils pour l'amener à l'hôpital. Et à l'hôpital, on a remarqué qu'il n'y avait pas, il n'était pas touché à la tête, sauf à la jambe. Et on l'a hospitalisé. À ce moment, il se trouve à l'hôpital. Alors, bande konanga tolandi témoignage en dekoana, bande miye na hôpital. Akuta na Kongole, lokolo pena tellement tambola ki mingi. Lokolo wana donc azwa ki problème na lokolo. Alors ba mema ki mon hôpital, ba juba traitement. Botala ba souffrance, oyo bande kona so ba Kongole ba zo souffrir, na makambo oyo zo salama na Ukraine. Ba sali bien de ba skiti. A peu près 150 Congolais, baza déjà na Pologne bien accueilli. Il faut te féliciter le gouvernement parce que je suis tout le monde qui a été payé salaire. Donc, tout ça, le gouvernement est en place. Il y a un Congolais qui a beaucoup changé.
Fationa va se changer constitution. Et alors, comment pour lui pour 7 ans? Et ça, somme, mettez un point. Alors, ma cambo, tous ont vivre en EDC, m'boka n'a pas ce cause là. Bouete, ce qui batou bazala qui n'a bonne volonté, bon batam se m'boka libosu. Tala bino moko, ba genoka na Ukraine, ba memi bango, ba kati bango frontière, et puis baza mena na kati a Pologne. C'est ça! Un gouvernement responsable. Ce que ça va qui les rona. Ah, les rona évite. Nana ko yamba bango, nana ko aide bango. Yango, ngala linga ba congolais ba comprendre pas to outi, ne pas to zalilo. Ce sont des exemples comment ces congolais makamulu tundola lobaki ke ba congolais wana nyonso bazana yuke pibiso. Biso na biso peto za moté a malamu libanda. Okuta muni wa Kongole ni baka ndengwana okuzwai umimie le msuna pale. Baka mwaza baka mwako seri. Ya oto ye bisabino bandiku. Tala vio tozana ngo. EDC. Tosepela. Tozi prezida o azara po sambuka. Pasi to uti na pasi. Me ato olo baka Ukraine. Ezo koma pli pire. Pli pire pour anini. Parce que tozo ye bato e koya lobi. E komo bangsa ba west ya kusakarati. Parce bazana chwati. O ipwani ba omba zo boya kukota makama. So ki ba koti e ko benda shin pe a koti. Shin sa koti silit. Ya, ya za wakile mino 1 milyard de solda. Yo, yo si omona 1 milyard de solda. Nedi ba mbinzo. Yaba West bazo banga kubunda nona shinti ozo boma bazo yaga yo kubunda na 1 milliard de person oko kate zambi bozana problem sirena ba chinois bon wale zaka population le msu bakoza ba soda bakoza wane suba 800 millions donc baze bele na armée na monde bango baza sima ya Russie. Alors, situation est à mon boulot. Il y a 11 mois, ouest, moi, ba côté athée. Bango, moi, ba côté athée, bata ouest, moi, ba côté athée, dans ma cambo, les pays européens. Ba yebi, que soit au côté, chine pas à côté. Et ça, y a koïnda, et si y indi. Bon, voilà, c'est pour l'Ukraine. Ce qu'on a dit, pour le pape François, attendu le DG en République démocratique du Congo. 37 ans après la visite du pape, Jean-Paul a EDC, le pape François à son tour visitera la République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain, sous le signe de la réconciliation et la paix. C'est ce qu'a annoncé l'énonce apostolique lors d'un point de presse qui a eu lieu ce jeudi 3 mars 2022 au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5. Et pas wapi Otembi, Monseigneur Otembi, a pesi message wana na ba congolais était pape azakuya azoya na mission moko mission ya paix pe réconciliation tozana ba problème ebele na EDC tozana ba situation ebele batu ba paye ba kote ebele makambo ebele kote na mboka na biso koyina ne koti. Alors, papa lobi ngana zoya na pesa un message à réconciliation. Donc, monseigneur Ambongo azoya ma papa 37 ans après pour comprendre que ces événements penza. Alors, ce qu'a zoya pe pourquoi? Bazo mona pe façon fachi. Bazo mona président oyo azana bolingo mboka. Ba papa na poya na pays wane fa tala pourquoi li bosso ba yakiti baza omona EDC za kimboka ba problème ya moto esa ba congolais EDC meneza ouvert na monde mutu nyosa za na posa ye ba nini za na EDC pourquoi nous avons tout nous sommes un grand pays oyo mutako ko mekati boba ko meka ko ya okabola EDC bangonde ba kokota na ba file na bango. Alors, papa, zoya pona réconciliation na kati mboka,
Batou va vivre dans la paix. On a un message, mais la question qu'on se pose, pourquoi aïe, quand l'air, il y a Félix Tshisekedi? Pourquoi, avant, on n'a pas pour la nuance, même à l'Iboso avant aïe, pourquoi, bah, il y a quitté, dans l'air, il y a un gouvernement où il est. Donc, c'est point d'interrogation. Vous savez, là, Bandeko, dans l'air à Mobutu, tout ça, là, il y a Mutabosa nangote Mobutu za ine dictateur mais asangsa kimboka ekolobo moko asangsa pe na mboka départ na yi ndi yango to komi na ba problème na est avec Mobutu to zaki na ba problème na est ti il faut comprendre yango mais tasko départ na yi ba problème o tuyi libiso alors bandiko nga tuyu kananu arrivé naï, ndenge ba annoncé devant le premier ministre Samalou Kondé, bon, on continue mission na biso. Autre nouvelle en plus bref, le pape François est attendu à Kinshasa le 2 juillet prochain pour une visite de 3 jours en RDC. La nouvelle est annoncée à la presse jeudi à la Caritas Kinshasa par le nonce apostolique en présence du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. Le nonce apostolique affirme que l'arrivée du souverain pontife sera l'occasion de raviver l'espérance du peuple congolais en quête de la paix, de la sécurité et du bien-être. Alors, bande koto landi bisonyos. Message wana y arrivé naï. Nasi ce qui n'est landi wana eti l'énonce apostolique lors d'un point de presse à Kinshasa. Si je dis ba annoncer arrivé wana. Arrivé naï, bande konde to lo bakine bandeli et assure bolingo ensemble. Tous à la bisognonso, bomoko na edisi. Parce que azakouya, sous les signes de la réconciliation et la paix. Bandeko, ba pape, ba yebi na bango. Même kamu tuye le kanamboka na biso, ba yebi. Ba sango na biso, na makam na wè le kanamboka na biso na politique. Papa yebi. Baza ba yebi nyonso, ou ezo le kanamboka. Mais, arrivé na yi, et qu'on marque quelque chose. Parce que, à lui bien, qu'il faut réconciliation et ça n'a pas. Parce que, mon bon, tout ça n'a pas. Guerre ou en est, il y a un monde qui a été la guerre à est, et ça n'a pas congolais, mon soussou, mais ça n'a pas pour, avec mes amis, mon naïe, bande de combats. À ça, on a l'air bon, il y a nini, il y a un rebelle, à vivre naïe. Batou moussoua zana politique, allez en bon rebelle, mais papa lobby, je viens sous les signes de la réconciliation et la paix. Soko salaka makamabe, toutika. Alors, c'est à ce point, toutiki. Premier point, oyo, tout comme kelena, deuxième point. Alors, bandeko nanga, tout comme na deuxième point, nabiso, changement de constitution, bandeko. O baloubaka, esi et yindi. Mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans. Balobi va pèser, va expliquer pourquoi. Steve Mbikai, oaza ex-ministre de l'enseignement supérieur congolais, a dévoilé ses créwana. Bande avant mettre que na muzindo poto tchaka bino botanga ensemble. Avant mettre que dans détail. Eza idée moko ya kitoko inyon sacré bazo sala pona mboka to kumi sa inyon sacré ba vandi majorité déjà bazana mango en temps pourquoi ba moni un président de la république azana souci a mboka nasi ba député oko ba vanda bana ba en tout cas ba moni loko eze pa fachi te sabino ke tozana président moko alingi mboka soko moni ba député déjà bazo loba makamba boye. Bazo bongisa pona ko changer constitution po ete fatia continue plus de eza la 7 ans au lieu de 5 ans c'est parce que akobongisa mboka ba lobi pe ki ba so tali pe ba be election go 5 ans 5 ans hein ezo bibisa ba mbongo ebele na mboka to tion kaka 7 ans 7 ans
Donc, Fatiazo ça le mandat, deuxième mandat, pas ces gens qui assurent Bazana. Une majorité. Alors, et que ça là, à peu près, de 2023, de Fatiazo, on a 2030. Il y a un tombeau qui est. Il y a un côté à Katumbi, il y a un toit à le Batalibus. Ce qui va délire, c'est sang à ma Kambalobi. Abo Yoki. Kamitatu makamba lobi donc ils ont somme bandeko bango ba fashe na ndenga mukete mitozo ya na pona me mboka ba monique présence sa musala ba voter 7 ans ba congolais nyonso jasushi bazana bango d'accord verrouillé par la constitution sur pied de son article 220 la durée de mandat du président de la république est au cœur du débat à RTC. Steve Bikai, ex-ministre de l'enseignement supérieur congolais, a dévoilé son intention d'initier des démarches pour réviser la constitution et passer le mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans. Soko boya yo, wana yomo comprendre quand tu évites soko boya pour l'année. Alors, et l'autre chose c'est que bandico, et ça que les Congolais va comprendre. Situation au Tanzanie. Mboka oyo et cause à la pas comme les autres débuts sur au Kanza. RDC oyo bandeko. Bazo salamisala moko pour le moment. Fati partout dans tous les fronts. Infrastructure. Baza ko bon sa banzila. Ozomona. Donc bazo talaki. Ah. 2028. Tezamouki. Fati va continuer. 2030. Mpo asili sa misalo nyo so batu. Beba lula RDC. Eh? Atika histoire pour na libela. Ba président ba leka na RDC mais Félix Tshisekedi a ekubonga samboka ndeko nous avons tout et ça cause nga mokonzi mo leka wana oyo azana maboko a pembe donc ayiba kambongo te mbongo leta kute tali ete fatia vivaka na bambongo na salaire donc makamwa tukute tali fatiti. Avivakana oyo bazo pesa ye en direct ya banque centrale fati mbongo ya ngoyo po jire mboka. Ne, asana tina te ayiba avwama. Voilà un président bazo pesa confiance. Po ba depute ba yebi yo ba lekina mo. Ba yebi bato ba batambola kina bango. Ba tali ba. Félix Tshisekedi, un président pas comme les autres. Te, bon monde. Mais président, il faut tout dire, tout bamba pena 7 ans. La constitution française est à chaque 7 ans, élection. Bangobe France, bazala ka 5 ans. Bayako changé, on a 7 ans. Ozomona. Donc, c'est important que le changement n'est là, na 7 ans, surtout dans le cannabis. Parce que l'élection dans le cannabis. Et créer un problème. Et créer un kelele. Et créer un désordre. Les assoiffés du pouvoir. Mais il faut une réaction là-bas. Mais tout ça, il y a une réaction. Et ça, c'est mon bandit. Le mandat de 5 ans est insuffisant. Et que tous les 5 ans, on fait les élections qui nous coûtent 1,2 milliard de dollars. Ce qui veut dire que par mois, nous devons garder 120 millions pour les élections. Donc, chaque mois, tout bon, 120 millions pour les élections. Donc, et ça, mawato. Alors que si on fait les 70, on va gagner 2 ans et on peut garder 240 millions de dollars pour affecter l'agriculture, la pêche et l'élevage. Bien parlé. Ma solo kitoko. Mbongo wana ou ezobe sa ba élection chaque 5 ans. Soko to tiango na 7 ans. Te, bande ko tala. Oye bi fo, moutan ou zoya na idea. Il faut ko explique ango très bien pa bande ko. Pourquoi ou li eza la 7 ans ou li de 5 ans? 5 ans to dépensa ka. To bomba ka pe pre 120 millions chaque mois. Chaque année, je m'excuse. Alors, si vous avez na chaque année wana 120 millions de dollars, alors, ce qui le loto lobi ke, to bomba
Donc, toko bomba 240 millions. Au lieu que salamana 5 ans et salamina 7 ans, tu dis bambon wana nyonso. Et qu'en agriculture, pena pêche, peuple à ses pays. Au lieu bambon webebana, élection. Alors, nous devons initier une révision constitutionnelle. Parce que vous savez, les PT et les FP ont initié une pétition qui a été signée par 113 000 Congolais pour demander ce que la Constitution soit revue et donner au président de la République les moyens de sa politique qui ont un impact dans la vie des populations, soutient-il. Déjà, bah, j'ai 113 000 Congolais bah, signé pétition. Ma kambwana nyon souza pour nanimi. Pour na koupe sa présent le plein pouvoir à bon sa mboka. Bande koma kamsou biso tozo mona yangouti. Ba depito bazo vivre angona fachibouy. Bazo yo kandenga zo lubana bango. Bazo mona ba idaza nango. Ba action anza ko sala babiti. Mon frère. Mais présent ouye. Ifa vana tamoulaye. Ouye. Parce que ma kamouye zo sala. Monate. Alors, ba Congolais, tozo pesa bino concepte tozo beta city. Ide ou yueza ma beti. Fachi aleka na 2023, 7 ans akubima na 2030. Abon se la bison mboka ou yesi e koufa. Bande ko loko koufa pona ko la mousa yangwe zwa katan. Yangwane ya luba kisa anmona ki mwaete mboka esi ekufa. Siko kutia tembe na fachi. Alors, son excellence le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, tant yangoyo ba Kongole ba rubakse la yu. Parce que bozana majorité, ekoleka na mkutu mbala moko. Alors, les chiens à bois la caravane passe, toko yo kabango siko makelele. Réaction de Katumbi. Opposition sur changement de constitution. Yango, présent à cour constitutionnelle Bandeko. Dieudonné à l'obéli Bango. Mais toujours y en a point. Mais ton yo kanan au Bango Balobi. Ton bande avec Délice Sang. Délice Sang à l'obéli que constitution, baso chaye constitution, baso nga ba fana libela na pouvoir, ba bandiko, bandiko, so lani makamu Délice Sang à l'obéli, na so comprendre te. Bolingi nini, batu kaka ya Katumbi. Ekote Fayulu, FCC, ba bandi deja, ya bango pe makelele. Mais, auto recueillir lilo, Olivier Kamitatu. Message, porte-parole de Katumbi. Il a dit ceci. Pour Olivier Kamitatu, directeur du cabinet, porte-parole de Moïse Katumbi, potentiel candidat à la présidentielle 2023, la révision constitutionnelle va hypothéquer la stabilité du pays. Ok. Manipulation. Les apprentis sorciers qui caressent les rêves de changer la constitution sous prétexte de coller à la réalité politique hypothèque la fragile stabilité du pays. Vaincre les incertitudes liées à l'avenir exige tout simplement leadership éclairé qui rassure les Congolais, a réagi le porte-parole de Katumbi. Bah, Katumbi a l'objet que vous autres soyez pays en otage. Donc, c'est-à-dire hypothéquer la stabilité du pays. Donc, bango ba sepe la mouti. Mais, ite wane sa ma bete, mese Katumbi. Bo accepte yango. Yo pe so go leki. O bima, bon so ba bakso, yo pe so leki. O bime pete. Po ma be wapi, mese Katumbi. Hein? Wale ide na mao ke facha go leka. Bine pe bozane ide na mnete Katumbi a go leka. Marte fayu la zane ide na mo pe yeba go leka. Côté PPRD, puis basan idée na maman que montre mon père Golek. Alors, vous en mangez? Alors, le FCC Martin Fayulu, Pona Bango,
élection 2023. Mais taba yoki li solo yo, motemi bibi. O balubaka, motepili. Mais je ne sais pas. Mboko toko tamusa yangonde. Bandeko, ezana makamusuko, ezo sala pasi foto loba yango. Eza message, oyo, Dieudonné, ki aloba alobi o azali, Kalouba, au Azali président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kalouba a l'oubli pour parce que vous avez le canapé, mais Dieu est belé. Beaucoup de gens, et ça somme, les gens parlent beaucoup de Balouba. A l'oubli, il y a un mouloubli. Mais où est-ce que le cas? Ils ont moins de dingue, ma cancine à Bissisa. Moutons à l'émission, mon bimba. Cour constitutionnelle Moluba, président Moluba, finance Moluba. Donc, si on l'a dit, mission est à Moutazo Sala. Et puis, Batoubazo Landa. Batoubazo Loba n'importe quoi. Mais, ce qui Baluba, Baponi Moluba, qui m'a bé wapi, Wane Zali, Moutema Mabé, toujours Bébé Sambouk. Moi qui vous parle dans cette émission, un jour, je peux vous montrer. Bon, quand c'est que nous allons à la bonne place, bon, mon anga. Dans un anga mouloubati. Mais connaissez-vous un anga mouké? Nagoyeb Sabino Kalate, comme en direct, bon, mon pena Congo News 24 boui. Nde korabino bo sepela nae. Ponga batu tout ba sepela bango. Zomon. Donc, ma kambo tozo loba, eza ma kambo yo Dieu donna le pona ba Congolais. Pona ba loupa. Toyoka, Dieudonné, mentalité ba Congolais, n'a pas opposition ma kamba lobaka. Bon, to compte, président Cour constitutionnelle à Yindisi. La RDC, vous verrez qu'on a dépouillé le président de la République presque tous les pouvoirs. En réalité, le vrai centre névralgique du pouvoir, ça va être le Premier ministre. Mais écoutez le peuple congolais à la télévision, moi je m'amuse à écouter régulièrement ça. Quand le peuple s'exprime, en réalité, dans son schéma mental, il s'adresse au président de la République et jamais au Premier ministre. Presque jamais. Il dit non, papa, tu sais que l'État de l'élection m'a camboyé. Il y a fait au sein de l'autre côté, tout ça. Alors que la Constitution dit que c'est le gouvernement qui définit et conduit la politique. Mais personne ne s'adresse au gouvernement. On dit que c'est le président qui doit faire ou qui ne doit pas faire. Et même les intellectuels vous disent que le président doit présenter un bilan. On dit, ah bon, le bilan, mais lui, ce n'est pas lui qui définit la politique. Donc il y a toujours cette dichotomie entre ce qui est écrit et ce qui est pensé. Ce qui est pensé par le Congolais, c'est que nous voulons un régime qui ressemble au régime que nous avons dans nos villages. On ne peut pas avoir un chef qui ne fait rien. Or, dans notre constitution, nous avons voulu un chef qui dort et un premier ministre qui travaille avec son parlement et tout. Donc, il y a tout ce dichotomie, pas seulement en droit personnel, mais en droit de la famille, en droit des personnes, en droit des biens, dans tous les domaines. Nous voulons à la fois être blanc et noir. Alors, en conséquence, on est un peu chauve-souris, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Je suis élu par mes pairs, juges, comme président. Mais tout d'un coup, surgit un problème. La loi sur la Cour constitutionnelle parle de la représentation provinciale. Je suis originaire de Nganda-Djika, donc je suis originaire de la province de Lomami, pas du Kasaï oriental. Mais quelqu'un me dit non, mais vous êtes tous de la même tribu. Vous voyez, une notion s'invite au débat. La Constitution parle de la représentation des provinces, alors que dans le fond du discours, les gens parlent de la représentation tribale, ethnique. Alors, j'appelle ça les tabous du constituant, c'est-à-dire des choses que le constituant ne veut pas dire, mais qui se posent comme problème. En d'autres termes, nous devons nous entendre sur comment organiser notre vouloir vivre ensemble. Alors, le frère m'a posé la question, dit, mais comment chaque fois, quel est le péché capital que le Moulouba aurait commis pour que chaque fois qu'il s'agit de lui, il y a toujours un tollé et tout. Je peux donner quelques éléments qui expliquent cela. Sur le fait, contrairement aux autres peuples du Congo que j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai presque été partout, le Moulouba a plutôt une capacité d'adaptation partout où il arrive. Je suis allé dans toutes les provinces du Congo, je les ai trouvés là-bas depuis 30-40 ans, ils sont intégrés.
Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tola Libisonyoso. Kaka Moluba. Présent cour constitutionnel Moluba. C'est quoi le bino kaza mouta olo mami? Ozomona. Il n'est pas du Kasaï oriental. Au Kasaï occidental. Il est de olo mami. Sikoi. Mukoloba nini, sikoi. Tozago loba kibaza bango tu. Baluba. Non, et ça m'a lamouté. Il a même expliqué que Balouba place tout Bazali, il cherche na. Donc, Baza Bato, Baza Vema, ma casse na côté. Il a bien expliqué. Ngape na mona kaya. Hein? Bande kona zolo mba na mbala. Ngaza na moulubati. Mais l'autre ton lo banabino bande kona biso. Ete, totika makambu ya tribalisme. Yakoloba kale ko tangaka komo parce que le chef de l'État Moluba on parle de tout. Tel entourage a fachi ba poste clé. Ba poste clé za ba lobate. Directeur ya bureau président Katanga. Premier ministre Katanga. Ozomona. Soko tali ba poste belé ya minene. Jamais. Ba Moluba penate. Et présent cour constitutionnel. Bozao Kansasa Moluba. Azane Moluba dit. Il est dit Olomami. Il n'est pas de Kasaï. Baza province mon côté. Même s'il y a des Balouba Olomami, mais Baza province mon côté. Donc, Bamakambo nyon se saute au comprendre. Et qu'on est débattu. Namakambo Bele a vraiment a aidé battu. Message on est des Congolais nyonso oyo mentalité na biso et puis a touché point clé président de la République Tala Biso Likambuli mais sama lukonde musala na ye nini et c'est sama lukonde avant na kana zola la na ye avant na ye alors que sama lukonde a kozwa pe ba décision malgré tout ça semi présidentiel mais a informé Fati Fati a luba vas-y na décision aujourd'hui. Mais, côté wana, l'air nyonso, tocha makamutuka likula président de la République. Mais il n'est pas le chef du gouvernement, c'est Sama Lukonde. Biso nyonso, naba journaliste lobakango. Mais ngaye pena lobaka. Fachi talem so likambo oye. Mais er monsi koto yebisa Sama Lukonde tala likambo oye. Parce que Sama Lukonde ne moutaza chef à gouvernement. Mande kotanto otala makambo nyonso. Il faut que la mentalité va tout changer. Éducation de base, ma kamwebele. Et mon souci, c'est que mon thème ma bé. Parce qu'on a vu un moulouba là-bas, alors on est maintenant contre le balouba. Non. Et ça n'est pas trop tant que ça est déçu. Et déçu, il faut que ça ait valeur. Et que ce soit un peu de temps, il faut que ça et kozala bien bande konangai biso nyonso tozala bomoko parce e ko ede mboka oyo na ndenga mukiti notre beau pays to wuti pendant les 20 ans na makamo ko andi di un président soka so bon samboka azala mulupa az biso to supporte pas azo ta total ne musala na yi alors merci présent cour constitutionnel pour na ndenge ou aider ba congolais un bon conseil et puis bien parler merci tout comme le kasikoyo na troisième point alors bande konanga to comme na troisième point na biso officier USA bande ko officier armée américaine à Kinshasa sur la sécurité et défense et puis ministre pays USA ou à travail azape na Kinshasa. Bandeko, baye, makabu izali. Oyebi ozo passe na Ukraine, jeudi 3 mars oyo, les effets de la guerre, Ukraine et les partenariats entre les États-Unis et la RDC sont à la une des journaux de ce jeudi 3 mars. Donc, le loba journaux nyonso, et zo loba yango,
bande que belle ba congolais une mission puis ba mega puis ba luba et payango que ba voisin au pays mission à moins à la qui pas na bisou ta ma cambo bon luba qui n'a pas commenté ma cambo et sa man à Ukraine ba voisin peut ba cause à peine à vous peut ba zana ou banda carapo à mega balkanisation et ça au centre peut à ma solo ba américain oyu ba eko kutana ba yena EDC ba officier armée américaine Bae ko solana fachi. Bisonyo stolana ki diskura fachi wana. Diskura wane zaki motu ya bandiko. Na ba voisin. Oyo moto zo pene pa na biso. Bango ba zo sepela po kaka ba iya. Ba iba wabiloko na biso. Alo bozo mwana foto wana. Ba kanga ki ango. Sete ye. Le lien entre les Etats-Unis et la EDC sont au bon fixe. C'est du moins l'image que nous revoient les officiels des deux pays. Dans différentes rencontres, le Congo Kinshasa a à en croire Félix Tshisekedi est maintenant ouvert au monde plus qu'avant. Tu es Sarabine? T'as là-bas américain, bas Zolobango. Babi, EDC menaza ouvert dans le monde plus qu'avant l'ère ex-président de la République Kabila. Donc il y a une grande différence entre le gouvernement où est les 20 ans, tout ça qui n'a qu'à ta ghetto. Et maintenant, tu as ouvert le monde. Avançons. Ce mercredi 2 mars, dans la soirée, le président de la République a reçu en audience une délégation américaine constituée d'officiers militaires et de représentants du département d'État américain du travail conduit par l'ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Ama, à la cité de l'Union africaine. Et ça des groupes, groupes de Kurozo Monona, na CEO, y a département y a travail. Pour eux, on y va lier na EDC. C'est parce que Zomona va minerer. Va gêner, bébé, va zotsala va minerer. Mais tous eux y en a point. Alors, awa, ba officier wana, ba yeko sola na EDC. Bande ko tous a pays où ils ont envie. Ils ont maintenant ouvert le monde. Ba voisin, ba Zomona qui. Na ba pays wana etikali baza na ba problème na niveau ya gouvernement mais biso toza na ba problème na niveau ya ba rebelle et tout ça ke biso so ba rebelle te mboka peneza na kimia passe côté démocratie mutunyo sa sa yebi il faut les élections publiques bo balinga meka coup d'état bo na nima kambabe. Bon comprendre, ezana bate bele moya tanga ba kombo ezati. Be ya bwe koloba. Makambo to za pona sécurité mboka. Ba Amerike ba yebi pona nini ba ye kusulula na fachi. Ba officier militaire. Passe Ukraine eko koma rishi. Olinga, olinga te to yesi bino lelo ke ba kokoma ba kobotola yango. Ba pays occidentaux bazan likamba ko lobate pour so ba meki et ko déclencher guerre mondiale. Zomono. Et lo bon ba sali les animes. Ba miné partout ba Pologne, ba pays wana nyonso tout autour à Russie. O baza ba to autant, ba miné miné bango. Donc kuna moye Russie a kende ezati. Et ba freiner pour na libéra. A ce qui wana Ukraine, a kangi Ukraine a zuya. Alors, l'officier américain, le général Edati Boras, de l'US Army, a échangé avec le chef de l'État Félix Tshisekedi sur la situation à l'est du pays et à propos de l'aide que les USA apportent à la EDC pour renforcer la capacité de notre armée et le rendre plus professionnel dans le contexte d'un État de droit, selon qu'on peut lire dans un document de presse de la présidence de la République. Chef d'état-major Boras, yaba américain, ba solo la ki makasi, ba djoy pena tan na fachi, pona oye zo leke pa na biso. Bandeko, ezama ka mwaka o sangwara mwote. Donc, mboka oyo, ezanvie. Mais maïele n'a pas aussi, il pense que bako koka situation oyo bandeko
ba voisin bazo linga ba kote panabiso. Bazo linga balkanisation. Un jour pe, oyoka o invasion ya ba voisin. Mais ba komi na problème sérieux. Pourquoi tozolo ba bongo? Parce que mena, masolo oye betami na rencontre Fachi na chef d'état-major ya ba Amerika. Nde bo mwana batandame ya bo officier na bango, US Army. Makambo zole kala Ukraine pusi bonke baya noki na EDC. Mboka na biso bandeko eza envie. Ba Amerika bako lingate kenju mouta ya kwe invasion na mboka na biso. Eza ki na kadre wana peba solulaki. Nde bo zo mwana likolanto tchi. Les effets de la guerre en Ukraine et partenariat entre les États-Unis et la RDC sont parus jeudi 3 mars à Kinshasa. Partout on en parle maintenant. Mais Bango, lui qui va former armée na biso baza la solide. Baza na raison. Bandeko si aye aye ba anaye. Aye be ke ba voisin, ba préparera ke ba botola, ba pays na biso. Au moni Rwanda, au moni Soudan, Ouganda, au côté à sud, Zambie, wana ba pays où tout ça n'a pas un problème. Même Angola, wana, ba pays wana tout basa na boule na bango biso to yebiti. Mais biso siko il faut bon ça armé malam. Le quoi de Dieu occasion ba américain basa présent ba ko aider armé na biso. Donc makambo kene kitoko. Alors, siko to le kana ministre de travail. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à renforcer la capacité de la RDC dans la mise en application des lois relatives au respect des droits de travail. La ministère, je m'excuse, la ministre américaine du travail, Teali, l'a fait savoir mercredi 2 mars au cours d'un point de presse à Kinshasa. Toyoka, point de presse, wana, yaba américain, bon, to continue mission à mission. Yama kamba travail. Et puis les États-Unis s'engagent à renforcer la capacité de la RDC dans la mise en application des lois sur le respect du droit du travail. Déclaration faite ce mercredi dans la capitale congolaise par la ministre du Travail du gouvernement américain. Au cours d'un point de presse animé ici à Kinshasa, Tilly a indiqué que son pays est également disposé à collaborer étroitement avec la RDC dans le projet qui consiste à mettre fin au travail des enfants dans l'exploitation minière. Ses propos ont été recueilli par Paul Matendo. Le ministère ou le département du travail des États-Unis est très heureux de pouvoir travailler en partenariat avec le ministère du travail de la RDC sur un certain nombre de projets importants. En ce compris, le projet qui consiste à faire sortir les enfants qui travaillent dans les mines pour extraire le cobalt, la traçabilité du cobalt qui est produit dans la chaîne d'approvisionnement, pour ce qui est de renforcer la capacité du gouvernement de la RDC pour pouvoir mettre en application les lois concernant le travail, le renforcement de la voix des syndicats, des représentants de la société civile et des travailleurs de manière générale. Nous pensons que celle-ci sera la première de plusieurs autres visites qui viendront. Nous envisageons d'avoir une bonne amitié et un bon partenariat dans l'avenir. Alors, bande konangato l'a dit bisonyo ce ministre du travail, yaba américain. Ba travailler ensemble avec la RDC parce que situation haute zone de karamo na mboka, ezapena malamu te côté travail. Ba me akoyi de mboka. Ke bana wana o ba sala kana mine. E komi ko banque sa ba américain. Bango mo pe ba ya kana ba mine parce ba américain pe bazana ba carré minier ndo mona ba. Basa pena ba faire na biso côté mine. Alors ba mona ba jeune on bazo travailler na kata mabulu et zo sala bango bien ti ba bana na fallait baza na classe et puis ba encadrer ba to ba travailler kakuna misala na bango ezala bien pona droit de l'homme à mutu makambo ebeleza respecté donc bazo ma que le droit de travail za pena respecté te bandeko oyebi na cadre de partenariat na biso na ba américain. Et ça, il faut que les Américains soient bien. Parce que
parlement na bango bokoyo kandi kaumba luba o bino bokopera EDC o kutubana mike basalaka ba misala makasi DG BBC droit de l'homme na mboka na biso. Donc ezama kaumo bazuya ku idemboka eti il faut to yeba ke mwana oyu akoki ko sala musala oyu ti musala oyu eza pona mineur ti. Donc ezama kaumo très important pona mboka yango zomo na bandeko ba américain baza ko insister kote wana do basala ki seminaire na bango na Kinshasa sur le travail parce que ba mona ki ti ba jeune bazo travailler na mabula ba mindo irrégulièrement pe parfois même impayé donc eza pe na kosungati asa ipe na clair kote wana la ministre ya ba américain ya mine. Donc, à mon avis, il fallait basolo là pour nayango. Parce que, à mon avis, il n'dengi makambo ezo kendi droit de travail, na musala ya batu tout ça, et de ce pena, baso respecte yangoti. Alors, à mon avis, il basolo là. Te alia par ailleurs annoncé également que son pays était prêt à collaborer avec la EDC dans le projet qui consiste à mettre fin au travail des enfants dans l'exploitation minière. Bana ba ko travailler kunati. Dernièrement, na ba creuser ba kufaki. So tali ba âge, ce sont des jeunes. Alors, ba jeune ba bima na katia mabulu ya mine. C'est ça, mission na bango principale. Ba jeune wana ba luke na bango misala. Ba créer ba emploi ya wa ministre travail ya kitabandeko coopération nous en on ba américain makambo ebele ko changer na mboka na biso bangwana ba luka ba emploi pona ba jeune wana musala ni ba kokosala peut-être mbula weza ko sala te akini classe ba koti ba ona ba école ba omo ba futel ba ba sali makampo na ba parce situation ça na désordre ministre mina zo mona bana baza ko sala te. Et ce salam a bandé qu'on a beaucoup d'habits. Il y a un tour et ça va congolais. Que taille ou un go bandé qu'on a gagné. Mboka ou y'a côté les mains. Avec Fatih, avec ou y'a aussi pour azo, c'est pas américain. T'as comme on a ma caminé n'est que salam en mboka. T'es allé à faire savoir mercredi 2 mars au cours d'un point de presse à Kinshasa sur l'engagement que les États-Unis ont pris. S'il n'a dengue n'accord à partenariat, n'est pas qu'on travaille en mboka d'habits. Alors, ma soleil sera qui très bien. Tu l'as dit excellent à Bissonioso, mais tu n'as pas expliqué pour moi. Ba américain, ba yebimbo kanabiso très bien. Sauf à l'histoire, on comprend ba président tout. Même au bout, na CIA, ba za coopérer tout ça. Donc, ba américain, ba ko comme ça, EDC, ou centre ma kamounioso en Afrique. Un, tu as grand pays. Deux, tu as pays moko riche. Trois, tous les pays moko est entouré na 9 voisins. Donc à partir de EDC ba ko coopérer na ba 9 voisins on a directement. Donc tu comprends bien. Donc grand pays tout ça na 9 pays voisins. Donc makambo ebele et ko tourne au centre na EDC. Alors bon moni Joe Biden photo wana na fachi ma solo ezalaka ko sakana onti bazo solo la bazo seka donc et ça qui au centre ma solo na bangopi et bendi makambo oyu nyonso parce que président nabiso ba yokana kindeni ba ko travailler ensemble na États-Unis. Alors bande kuranga ze singo fatia longo limboka na kata gitu ba américain mutu ba lobby et EDC ze su EDC ali bosuti pourquoi EDC ali bosuti za na kata gitu. Sikoyo, tobimi libanda, makambo zo kene kitoko, ba kontra na mukili mezo yebana, me bisoyo suza o kritika, voilà président tambo la kapamba pamba. O président vanda kati, lelo to zo mona befe na ou, ke président za eko tambo la, pa longo la mboka na kata gitu, ezaya kuinda, esie yindi. Bande korangai, tala, nabe miso ta odo ya kanangwa, bozwa kango bo partaja. Parce que mes missions sont souvent de colère, mon soko landi oyo ki mawatu.
Alo, bextra tuto tiaka o sangsiango, o tie na Facebook na yo, o tie pe extra radio na bisona kinchase zobeta, e sala ka vrai po message panzana. Alo, bo partager, bo abonner massivement, bo yem se bande ko nyonso, eti, ba joindre Congo News 24. Alo, merci, nande bo nande emission. Au revoir, à la prochaine.